Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu. Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Quel plaisir de te Allez, voir ici. La quête principale. Salut Nati, comment vas-tu? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Rona ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Harlow, vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et maintenant qu'ils travaillent avec Ranrock, eh bien... C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête. Essayez de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Pardon? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, je peux t'aider? Oh, juste au ciel. Oui, je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, des Pinch Smedley de basse? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Pré-Olard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'il s'était noyé. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de basse. Ta famille serait célèbre? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler.
Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste ? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles. Mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. L'astrolabe de la famille Pinch-Smedley doit sûrement se trouver ici. Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. Revelio. Ils ont dû passer par là. Laisse les filles. J'espère que tu n'as pas trouvé la plongée très difficile. Bonjour, Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Je l'ai trouvé, mais ça n'a pas été facile. J'aurais besoin d'une compensation. Je vois. Je suppose que tu le mérites. Voici donc une récompense pour avoir trouvé ce trésor enfoui. Merci de me l'avoir rapporté. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Dégagez! J'ai
regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Action. J'ai ajouté une sélection collection de votre guide de sorcier. Vous y trouverez des informations précieuses sur les ennemis, notamment sur la vénérité. J'irai nulle part avec vous. Les sorciers sont parmi les serviteurs les plus vifs de Rookwood. Elles déstabilisent leur adversaire en enchaînant les attaques. Le charme du bouclier ne peut pas bloquer leur puissant sortilège de réduction. Mais si vous parvenez à les interrompre avec un sortilège de découpe, en perdant le contrôle, ils pourraient bien blesser leurs propres alliés. J'ai pas le sortilège de découpe. Comment je fais pour prendre les plans? Hein? Comme ça. Bon sang, je n'avais jamais été agressée de la sorte, et si près de Poudlard. Réveillon. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rookwood. Il s'intéresse à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous avez parlé d'une certaine Priya? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur n'étaient qu'un mythe. Un simple mythe? Si Sir Cadogan vous entendait, lui qui ne cesse de se vanter d'avoir été son ami depuis son portrait à Poudlard. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon
et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Revelio. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers, là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Incendio! La barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. C'est curieux. Les bûchers ont retrouvé leur aspect initial. Ah! Incendio. Et voilà. Par la base de Merlin, c'est magnifique. J'avoue. Quelle journée. Je n'en reviens pas. Salut, Fox. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Ouais, je vais bien, merci, plutôt. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, Lumos. Je pars retrouver mes notes et mes livres. Excellent. Aresto. Lassus. Transformation. Repulso. Descendo. Pendo. Sœur Nicolas, le fantôme de notre maison te cherche. Tu peux le retrouver près de la grande salle. Écoute pas le Super Bowl. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Thank you.
Oui, je suis là un peu. Encore un autre 40 minutes. Puis ça, je vais aller écouter une émission. Je vais revenir. Bon. Donc, un plus une araignée. Donc, l'araignée est... L'araignée, c'est 8. Ça fait 9. 6, 11, 12, 13, 4. Espèce de... Espèce de... Je sais pas quoi qui est là. Ah, espèce d'hibou. Ah, l'autre est là, donc c'est... 13 plus un dragon. Dragon, c'est 3. 16, 17, 18, 19, 20, 21, ça fait 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Espèce de... crabe. Araignée poilue, tantôt. Et voilà. Rébellion. Quand ça sonne, c'est qu'il y a quelque chose pas loin, mais j'ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est? Ah. Les vieux sont... Je crois qu'il y en avait une site à Miss. Une porte mystérieuse. À moins que ça aille. Est-ce que je dois monter ou descendre? C'est pas clair. Non, je dois descendre. Ah. Mais... Je peux pas aller... Ah oui, je peux. Ici. Pas là où je dois aller, mais... Rébellion. Il est parti où? Ah, il y a une porte ici. Elle est là, ok. Bon. Donc, 9 plus... 9 plus 3, ça fait... 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7. 9, 8, 7. Et voilà. L'autre signe devrait être un peu plus haut. Ben, il faudrait savoir. 15 plus 2, ça fait 17. 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un lézard. Il n'y a plus rien.
Je vois pas au mode endroit, je suis juste en train d'explorer. Revelio. Cette armure un peu commune a été fabriquée pour un troll. C'est un exploit, quel que soit encore un seul morceau, étant donné que les trolls ne portent généralement pas d'armure. Et sans, on comprend bien, plus susceptible de l'écraser, de désarroi ou de colère. Donc, on va pouvoir s'équiper de nouvel équipement. 27, 28, nouvelle lunette, 34 ou 33. Une nouvelle tenue. Chasse. Chariot disparu serait une autre fois. La petite bébite, elle devrait pas descendre vraiment. Lumos, les poissons, action, incendio. C'est pas ça. Ah là. Les élèves avisés prendront le garde à ces escaliers qui changent de direction sans prévenir. Bien que certains ne soient pas, quand quelques minutes de retard en cours, ils pourraient regretter de rater leur dîner. Caché derrière la statue d'une sorcière borgne, un passage secret relie Poudlard au sous-sol.
de la confrérie Honeyduke. Il ne peut être révélé qu'à l'aide d'un sortilège particulier. Les deux sont... Action. Lumos. Incendio. Revelio. Donc là c'est 1 dans 4 plus 2 6 ah 0 comme ça 0 gaspille pas ton argent sur le concours, je vais te redonner de nouveau si tu veux. Ah elle était là hein? Et voilà, direct. Et c'est notre troisième. Ok, il faut le trouver. Attends, après ça, c'est 5 plus 1, 6. Il manque 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. L'araignée poilueuse. Problème. Lorsque le véritable pouvoir de l'oublier sera révélé. J'avais fait un concours et ça tombait à l'eau. Là. J'ai mis ça à l'eau parce qu'il n'y avait aucune chance, ça arrive. J'avais mis un prix en argent à gagner. Oh! Incendio! Ah, il est ici. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravi d'y avoir été incluse. Oh, c'est ça. J'ai mis un concours. Si je donnais partenaire, j'aurais fait gagner de l'argent, mais. C'est pas avec deux vues qu'on va faire de revenir partenaire. Fait. Y'a pas de stress. Incendio. Revelio. J'ai jamais venu ici. Il est l'autre côté du mur. Vous là, oui oui vous. Je me demandais. Lumos. Si vous pouviez m'accompagner un instant. Revelio. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de chaque fois. Et là. Lumos. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 8, ce serait une araignée. Et 11 plus 0, 3, 0, 1, 2, 3, le dragon.
Qu'est-ce que tu fais comme travail l'été? Revelio. Une statue là. C'est bien ça. Ah, il est là. Lumos. Ah, c'est là qu'elle a été. Et voilà. Revelio. Incendio. C'est ça qu'il fallait faire tantôt. J'en ai trouvé un, mais je... J'en ai trouvé un, je... Revelio. Un coffre, mais avec une serrure. Je peux pas ouvrir les serrures encore. Revelio. Non. Revelio. Revelio. Action. Elle ne devrait pas être si loin de ça, elle a disparu. C'est sûr qu'elle a menti en haut, c'est sûr qu'elle est ici. Elle est ici. Bon. Ah zut. Ah ah ah. Salut!
Ouais, Gryffondor. Attends, en image. Un sur deux. Trois sur cinq en... Au niveau 16. Ça joue beaucoup? Quand il n'y a pas de chapeau, il y a une belle couette, là. Il est beau. Il me ressemble. C'est sur ce pupitre enchanté que le grand directeur et directrice de Poudlard et que le professeur Black s'adresse aux élèves. Réveillon. What? C'est plus loin. Rebellio. Vous là, oui, oui, vous. Je me demandais si vous pourriez m'accompagner un instant. Ouais. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, à votre service. C'est un honneur, Sir Nicholas. Je sais que vous avez trouvé un livre dont il manque des pages. Je peux peut-être vous aider. Suivez-moi, si vous le voulez bien. Ce n'est pas très loin. Attendez, comment savez-vous pour le livre? Et aussi qu'il manque des pages. Les informations circulent entre fantômes. Monsieur Palot et vous avez été aperçus dans la réserve de la bibliothèque. Pas d'inquiétude, je garderai le secret. Hey, je te suis. Je suis plus loin de toi, je suis pas certain. C'est peut-être une conclusion hâtive, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. T'étais plus loin de moi, je sais pas. Je serais ravi de vous conduire à lui, si vous aviez l'amabilité de me rendre un petit service en chemin. Un petit service en échange de ces pages. Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurais gré d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de roast beef avarié. Je vous demande pardon. Un roast beef? Un roast beef avarié? C'est exact, du roast beef avarié. En flottant à travers au bon moment, on peut presque en sentir le goût. Oh, je devrais pouvoir m'en charger.
Mais pourquoi moi ? C'est très simple, mon jeune ami. En tant que fantôme, je ne peux le porter. Ah, t'es pas beaucoup plus loin de moi. Ouais, je l'ai fait, c'est pareil, y'a pas longtemps. Mais alors, si vous voulez bien récupérer le rotif, je vous expliquerai tout le reste en temps voulu. Ah, nous y voilà. Chatouillez la poire et entrez. Comment ça, chatouiller la poire ? Oui, sur la peinture. Je vous attends ici. Essayez de ne pas déranger les ailes. J'imagine déjà le délicat fumé du roast beef avarié. Revelio. Bon. Ouais, c'est un très bon jeu. Les élèves sont incompréhensibles. Ils devaient avoir faim, j'imagine. Tu sais à quel point les humains mangent quand ils... Revelio. Ça sent très bon ici. Un rock. Voilà du roast beef, mais il n'est pas avarié. Je dois continuer de chercher. Revelio. Toujours aussi pragmatique et créatif, les elfes de la maison de Poudlard se sont créés un petit abri douillet. Au milieu de ce tonneau, dans la cuisine de Poudlard, bien sûr, il est impossible de savoir à quoi ressemble l'intérieur, car les elfes de maison ont une magie extraordinaire qui leur est propre. Ouais, ça, je m'en attendais pas. Bonjour. Pourriez-vous m'indiquer où se trouvent les poubelles? À l'autre bout de la cuisine. Si elles n'ont pas été sorties, vous devriez les sentir. Vous les trouverez facilement. Merci, cher ami. Revelio. Oh, quelle odeur répugnante. Je ne dois pas être loin. Oh, un élève! Mais quelle chance! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une pâte à citrouille ou peut-être une tartine au fromage? C'est appétissant, mais j'ai juste besoin de ce roast beef avarié. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas? Servez-vous. T'as joué combien d'heures, toi? Qui suppose que Nick en a assez de rôder ici pour tenter d'éveiller le souvenir du goût de la nourriture? Est-ce vous et les autres elfes de maison qui invoquez la nourriture servie dans la grande salle? Bien sûr que non! Même les elfes de maison ne peuvent pas créer de la nourriture par magie! La nourriture est l'une des cinq principales exceptions à la loi de Gamp sur la métamorphose élémentaire. Tu devrais les vendre pour de l'argent. Nous pouvons en revanche la multiplier, la métamorphoser et, bien sûr, la préparer. Ensuite, nous l'envoyons dans la grande salle. Pourquoi tu les vends pas, tes objets? En termes de ce que vous pouvez cuisiner? Finky ne pense pas. Cependant, Finky a toujours beaucoup de succès avec les recettes d'Elga Pouf Souffle. Sa tarte au coin est réputée, mais la nouvelle recette de Haddock commence à être appréciée. C'est facile. N'importe quel vendeur, au lieu d'acheter, tu payes LB et tu te tasses à droite. Les élèves ont-ils le droit de se promener? Tu vends des objets, tu n'utilises pas? Puisque vous le demandez, les élèves ne sont pas censés être en cuisine. Mais cela ne dérange pas Finky. Rien ne fait plus plaisir à Finky que la compagnie des élèves.
Nous n'avons que peu de visiteurs et beaucoup de friandises. N'hésitez pas, revenez quand vous voulez. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci pour le roast beef. Mais de rien, et le plaisir est partagé. Passez le bonjour à Nick de la part de Finky. Ah ben heureusement qu'il est bien pour le prix. Il n'y a rien de meilleur qu'un repas préparé par un elfe de maison. Revelio. Encore quelque chose, je le vois pas. Ah, Chris était là. Parce que les elfes de maison de Poudlard placent la nourriture cuisinée sur ces tables. Elle est directement acheminée par la magie jusqu'aux tables de la grande salle. Placez-vous. Ok. Ah, ben avec les œils, faut-tu te mettre transparent. Comme ça. Encore quelque chose, j'ai pas trouvé. Le coffre qui est là, je peux pas l'ouvrir. Ah, c'était là. Si vous chatouillez la poire de cette nature morte qui représente une couple de fruits, elle gloussera. Il se transformera en poignée pour se permettre d'entrer dans la cuisine de Poudlard. Aucun souci, je présume. Aucun. Finky vous envoie ses salutations, en plus du roast beef avarié. Ravi de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, allons porter ce roast beef à Sir Patrick de l'année Podmore. Cela devrait vous aider à trouver ses pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicholas. Que se passe-t-il? J'en suis navré, je m'emporte un peu. Sir Patrick dirige le club des chasseurs sans tête, un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités été. Pour chasseurs sans tête? Oui, vous verrez bien. Bref, j'ignore pourquoi, mais un juste membre une dizaine de minutes. Après ce mission-là, après je vais l'écouter un émission, je vais revenir. Mon plan consiste à apporter le roast beef avarié à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Chouka. Je vais partir pour une heure et demie, puis je vais revenir après. Je croyais que le roast beef était pour vous. Ce n'est pas faux. Vous voyez, j'essaie depuis un certain temps d'entrer dans le club. Si j'offre le roast beef à Sir Patrick, je crois que cela pourrait m'y aider. Et bien sûr, vous aider aussi. Qu'est-ce que je devrais faire quand on rencontrera le club? Laissez-moi leur parler. Ils peuvent être quelque peu hautains. Oh. Je suis sûr qu'ils vous accepteront sans mal, cependant. En grande partie grâce au roast beef avarié que vous apporterez. Le club des chasseurs sans tête est dangereux? Les chasseurs sans tête ne mettraient jamais un élève en danger. Ce ne sont que des fantômes qui aiment s'amuser. Très bien. J'aimerais beaucoup rencontrer Sir Patrick et le club des chasseurs sans tête. Oh, merveilleux! Vous ne le regretterez pas. Restez derrière moi. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sir Ramset. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Il vous parle toujours de cette façon? Ah, ils sont taquins. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des chasseurs sans tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. N'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Chouka. Ou qu'il se soit fourré. Je donnerais tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigot d'agneau au flageolet.
Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un lot presque aussi bien ? Sœur Nicolas, et une jeune personne, que faites-vous ici ? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous réellement, même si je crois savoir ? Eh bien, c'est Richard Shuka. Où peut-on le trouver ? Pourrait-on lui parler ? Richard, c'est ça ? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à l'appel. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick. Non. Quel plaisantin. Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous, qui m'a porté cet exquis présent putréfié. Sœur, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous, je vous prie. Sœur Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire ? Nos règles sont parfaitement claires. Mais sœur, je... Ah, nous ne sommes pas les chasseurs, sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Il a la tête coupée, mais pas au complet, c'est pour ça qu'il ne peut pas faire partie. Mon jeune ami. Il reste un petit bout de tendon qui tient à sa tête. Vous avez plus de chance que moi. Réveillez-vous. Une carte. Si le bourreau me voyait aujourd'hui... Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Un coffre là. T'as fermé, le petit maudit. Et voilà. Ça donne 500$. C'est de l'argent, c'est tout. Rébellion. Le prochain à jouer à cache-cache des citrouilles. C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider ? Ah ! Vous n'êtes pas avec Sœur Nicolas. Où est-il passé ? Pas du tout. Je dois parler à Richard Shuka. Sœur Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas? Vous pourrez parler à Shuka, si vous trouvez sa tête parmi ses citrouilles. Et pas qu'une fois, 5 fois. Ce bon vieux dame Fred déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles, qu'en dites-vous? Pourquoi utilisez-vous la tête de Shuka pour ce jeu? Eh bien, puisque vous le demandez, Shuka est notre membre le plus récent, alors nous aimons le mettre à l'épreuve. Pourriez-vous m'expliquer à nouveau les règles ? Trouvez sa tête 5 fois parmi les citrouilles. Utilisez votre baguette. Je ne peux pas être plus précis que cela. Comment êtes-vous entré dans le club des chasseurs sans tête ? J'ai été exécuté en même temps que les autres mutins. Nous n'aimions pas la manière dont le comté était géré, alors nous avons pris les choses en main. La trahison est un bien grand mot, mais ce fut le délit dont on nous accusa. Les choses se seraient bien mieux déroulées si on m'avait laissé diriger. Pourriez-vous m'expliquer à nouveau les règles ?
Trouvez sa tête 5 fois parmi les citrouilles. Utilisez votre baguette. Je ne peux pas être plus précis que cela. Si c'est la condition pour parler à Shuka, alors je le ferai. Superbe! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. N'oubliez pas, la partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé 5 fois. Allez, lancez des sorts jusqu'à ce que vous le trouviez. Action. Incendio. Action. Cache-la la grosse qu'elle a. Je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille. Ah, Shuka. Bon, peu importe, Domfrey. Je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qu'il se passe. Et voilà. Bon travail. Bien sûr, avoir une baguette vous a aidé, mais je pense tout de même que des félicitations sont de mise. Pas mal pour un être mortel. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave Shuka. Vous l'avez mérité. Très joli. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête ? Non. Sir Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Peeves. Comment ai-je pu oublier ? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure, il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête. Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Mais même un fantôme décapité fait l'amour en entendant le mot « cadavre ». Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place ? Qu'est-ce que je vais trouver dans la grotte ? En plus de mes restes mortels ? Si je me souviens bien, quelques trésors, un pont magique et... Mais quel genre d'aventure serait-ce là si je vous gâchais la surprise ? Quelqu'un vous a coupé la tête dans la grotte ? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, quand vous irez, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez très vite. Attention au courant d'air. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur ? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures,
tout ce qui peut semer le chaos. Je les ai trouvés alors qu'ils saccageaient la bibliothèque. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. J'ai besoin de ces pages, donc je ferai mieux de vous retrouver. Merci, je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord, mais Tumfrey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt. Excusez-moi. En route pour de nouvelles aventures ? Quel plaisir de vous revoir. Le vendeur, c'est... On va prendre un sortilège des armements avant de suivre le fantôme de chat. Ah.
Ok, ouais. Donc je peux pas, je dois apprendre à sortir. Expelliarmus. Okay. C'est ça ici. Expelliarmus, je l'ai pas. Ok, non, je peux pas aller là. L'endroit semble être assez agréable. Le vendeur est encore là? Est-ce que tu es là, Capone? Que puis-je pour vous? Que proposez-vous à la vente? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'espère vous revoir bientôt. Bonjour, Monsieur Semi. Que puis-je pour vous? Que proposez-vous à la vente? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'espère vous revoir bientôt. C'était tout pour l'instant. C'était tout pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live, la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!